On y va pour notre éditeur préféré VS Code. On va voir la configuration avec VS Code et le fameux fichier settings.json. Donc, ce fameux fichier en json qui représente notre configuration. Donc, on va dans file ici, on va dans preferences, préférences et on va dans settings, configuration. Et on arrive ici dans un monde de configuration. On peut vraiment changer tout et n'importe quoi. Toutes les extensions, tout ce qu'il y a Git. Euh, vraiment, on peut tout changer sur VS Code. Mais, 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 on peut pas très facilement trouver ce fichier. Ce fichier settings.json. Donc parfois vous allez vous balader, vous allez voir Edit in settings.json quelque part. Donc on peut cliquer ici, ça va nous l'ouvrir. Ça va nous ouvrir un fichier avec ce format, ce format euh, JSON comme ça. Donc avec par exemple les guillemets sur les euh, propriétés. Et en fait c'est tout ce que vous avez changé de base à votre configuration. De base si vous n'avez rien changé, vous n'allez rien avoir ici en fait, et dès que vous changez des choses ici, donc vous cochez, décochez certaines choses que vous changez des valeurs, etc, et eh bien ça va s'afficher ici, euh, sous une forme de ligne comme ça, par exemple, ici j'ai mon zoom level qui est sur 4, si je l'enlève, donc vraiment je le supprime alors je vais juste copier ça, hop, et je le supprime et eh bien, hop, ça va dézoomer normalement, vous voyez, ça, ça dézoome comme ça, donc je reviens ici, et je vais chercher zoom level je vais le repasser à 4 ça va donc résumer comme ça, tac. Et ça va rajouter automatiquement notre ligne juste ici. Donc c'est un bon moyen de retrouver en fait tout ce que vous avez changé en mode, en termes de configuration sur, v sur VS Code. Mais c'est aussi utile pour euh, un autre cas. Pourquoi Souvent quand vous allez faire des recherches, alors je crois que j'ai fait la recherche à côté, c'est ici. Quand vous allez faire des recherches par exemple VS Code WordWrap, vous avez envie de voir comment on wrap avec VS Code. Je vais en parler juste après. Eh bien, Vous tombez en général sur un stack overflow, sur un post stack overflow comme ça, un thread. Et en général, il vous donne directement les lignes à mettre dans euh, Settings .json. Donc je me dis que si quelqu'un n'a jamais entendu parler de ce fichier, il va se dire mais qu'est-ce que je dois faire Pourquoi il me donne du JSON juste ici Eh bien en fait, vous avez juste à copier-coller ça et à le rajouter dans votre settings JSON, d'accord Vous le copiez, vous le rajoutez et ça va s'appliquer automatiquement, d'accord Donc il faut vraiment comprendre que tout ce que vous changez ici en fait dans votre settings JSON, vous pouvez le retrouver dans les settings tout court. Mais ça peut être plus pratique si vous trouvez juste une ligne à copier-coller de VS Code, hop, vous le rajoutez direct sur les settings et voilà, basta, c'est fait. Ok, donc maintenant qu'on sait tout ça sur la configuration, déjà petit raccourci parce que je trouve que oui, quelque chose est assez, euh, une chose est assez mal faite avec VS Code, c'est que les settings ici, on peut juste les trouver si on se balade dans les settings ici. Donc, pour ouvrir les settings « Season », il faut scroller, scroller et trouver un endroit où ils veulent nous proposer. Donc, par exemple, je crois que j'en ai trouvé un tout à l'heure dans « Appearance » ici. Oui, dans « Appearance », il nous propose Edit in Settings Season ». Mais sinon, on ne peut pas le retrouver directement, sauf si on utilise euh, la palette, donc « Ctrl-Shift-P ». Ça nous ouvre ici euh, la palette, j'appelle ça le tiroir aussi parfois, et vous tapez « Open » comme ça, et donc vous allez pouvoir écrire euh, « Open Settings Season ». Ok, c'est un, un peu mal fait. J'aimerais bien un petit bouton, moi, Open settings Season. Peut-être que vous le connaissez, euh, donnez-le-moi si vous le savez, mais je crois que ça n'existe pas. Ok, et donc ça nous permet de l'ouvrir plus facilement. Donc CTRL SHIFT P, CTRL MASH P, et vous Open settings Season, et hop, ça vous permet directement de l'ouvrir et de rajouter, de, de copier-coller des choses que vous trouvez sur Stack Overflow, par exemple. Ok, maintenant qu'on connaît tout ça, quelle est euh, ma configuration Qu'est-ce que j'aime bien en termes de configuration de mon côté Des choses très utiles, je trouve. Alors, il faut savoir que j'ai déjà eu des fichiers plus grands ici. Là, c'est en, encore une autre machine que j'ai juste ici. Je les collectionne, décidément. Euh, donc, ici, c'est pas très, très grand. Il y a des fiches qui peuvent être beaucoup plus grands, mais il y a des choses ici intéressantes que je vais vous montrer. Donc déjà, WordWrap juste ici. Alors, en, en, en tant que vidéaste, quand je tourne des vidéos, etc., je trouve ça très pratique de pouvoir mettre le code sur le côté et euh, le fait que ça, ça passe à la ligne, comme ça, ça passe à la ligne, parce que si vous mettez off, ici, vous allez avoir une sorte de, euh, de, de, voilà, de scroll bar en bas, comme ça, et euh, je trouve que même en HTML, quand vous avez euh, du contenu avec des grands textes, etc., mais aussi quand vous avez beaucoup de code en JS et compagnie, je trouve ça pas très pratique, pas très joli, on sait pas trop ce qui se passe, donc en général, je garde on, sauf qu'après, Ensuite, donc font-size, ici, j'ai mis sur 14, bon, ça, c'est, euh, voilà, la, la, le zoom, la taille du, euh, du texte. Ensuite, git-enabled, donc ça, ça dépend, si vous voulez vraiment travailler avec toutes les fonctionnalités de git, il euh, y a vraiment une très très bonne intégration de Git avec VS Code, euh, mais parfois ce n'est pas utile, ça dépend des projets, donc en général je, je le toggle on, 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 off, comme ça donc false ou true, si j'ai envie de voir mon sapin de Noël, j'appelle ça comme ça quand vous faites des changements sur un dossier, et que à chaque fois ça vous montrait tous les changements qui ont été faits, etc. Donc c'est pas forcément obligé d'avoir Git in même si vous utilisez Git, si vous faites juste des, des commits à, à chaque fois que vous rajoutez, donc vous faites des commits assez, j'ai envie de dire fréquents, des commits fréquents, dès que vous faites des changements vous faites bien attention à faire des, des commits à Changement, etc. C'est pas forcément obligé d'utiliser l'intégration, mais. Je vous le conseille quand même si vous débutez avec Git ou si vraiment vous avez envie de voir toutes les fonctionnalités, ça vous pouvez euh, le retirer donc euh, pour voir toute l'intégration de Git. Ensuite donc pour émettre parfois ça bug avec du JSX ou avec React, et eh bien vous avez juste à rajouter emmet.include languages et vous allez avoir euh, JavaScript euh, React donc ça va fonctionner avec React. Donc euh, quand vous êtes dans votre JSX et vous avez envie euh, d'écrire comme ça avec Emmet, c'est très agréable. Donc j'ai mis une petite étoile sur tout ce que, tous dont je voulais vous parler. Oh oui, les compact folders. Oh là là, tellement intéressant. Regardez, ici je vais le mettre en commentaire. Contrôle cassé. Et si euh, souvent quand on travaille donc euh, soit avec les frameworks JS, soit avec un modèle euh, euh, en backend etc. Avec un modèle MVC et compagnie, on a beaucoup 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 de folders. Donc par exemple on a components ici et à l'intérieur je vais avoir euh, un new folder, je vais avoir navbar comme ça. Hop et là mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Qu'est-ce que c'est que cette horreur Regardez-moi ça, ça se met en ligne comme ça directement. Et ça c'est quand vous avez un dossier qui a un seul dossier enfant. Et donc, c'est pas pratique, c'est pas agréable. Nous, on aime bien avoir les dossiers comme ça qui sont en architecture de haut en bas, vous savez, en cascade. Et donc, si je mets euh, compact folder false, eh bien, je vais bien avoir euh, comme ça en, en cascade, même si je n'ai qu'un dossier enfant. Donc, très pratique, très pratique. Ensuite, on descend. Tututututu, hop. Donc, on a confirme drag and drop et confirme delete. Ça, c'est quand je supprime un fichier ou un dossier. Maintenant, je n'ai plus envie d'avoir. Euh, vous savez, êtes-vous sûr de vouloir le supprimer euh, Voilà, je le supprime et euh, j'ai pas envie d'avoir la, la petite modal comme ça. Donc, vous pouvez le rajouter également. Euh, HTML Hover Documentation, quand je suis en HTML et que je survole des choses, j'ai pas envie de voir la documentation MDN qui apparaît. Ça peut être pratique si vous êtes débutant de, de voir tout ça, si vous voulez vous y retrouver. Mais euh, surtout quand je tourne des vidéos, parfois ça, ça met des énormes euh, modales qui me cachent tout le code. Donc, en général, je le cache. Et euh, voilà, c'est tout. Donc, encore une fois, on peut avoir beaucoup plus de settings ici. Hein. Je, je, je vous laisse explorer tout ça si vous voulez voir les choses qui vous plaisent. Mais ça, en gros, ce sont des, des settings que j'ai de base compact. Folder, roadwrap, euh, tout ce qui est Emmet et compagnie. Vous pouvez faire fonctionner aussi Emmet avec vue euh, et euh, tout, toutes sortes de, de, de fichiers également ici. Voilà donc pour le mystère des settings JSON qui est révélé et comment on peut changer nos settings et le rapport que ça a avec ce fameux fichier. Voilà pour ça, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ces vidéos sur VS Code vous plaisent, j'adore cet éditeur de code, c'est pour ça que j'en parle tout simplement, il est aussi très populaire. Donc rejoignez-nous sur Discord, la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes de learning, moi je vais manger, on se dit à la prochaine, ciao